Tout va très bien pour cette deuxième échographie. Vous êtes rassurée? Par contre, les douleurs dans le dos, le stress, est-ce que vous bougez assez? Enceinte ou pas, l'activité physique est très importante, vous savez. Mais c'est pas risqué pour le bébé? Au contraire! C'est bénéfique pour votre bien-être mental et physique et pour la santé de bébé. Ça réduit les risques de complications durant la grossesse et l'accouchement, ça aide à mieux contrôler la prise de poids et prévient certaines maladies comme le diabète par exemple. Alors attention, je parle bien de l'activité physique modérée ou de sport doux. Allez-y doucement, limitez la sédentarité et restez active. Inspirez. Expirez. Veillez à maintenir le dos bien droit. Très bien. C'était la posture du papillon. On va passer à celle du guerrier qui favorise la circulation, la respiration, l'équilibre et la stabilité. Elle agit aussi très bien sur le mal de dos. Écartez les jambes et levez vos bras de manière à ce qu'ils soient parallèles au sol, en orientant les paumes de main vers le bas. Gardez la jambe arrière tendue et poussez vers l'avant en pliant l'autre jambe. Étirez vos bras et tenez la position 30 secondes avant de changer de côté. Deux séances d'exercices de renforcement musculaire par semaine, comme le yoga, le pilates, le tai chi, la gymnastique douce, permet de travailler la respiration, de prendre conscience de son bassin et de son périnée, de s'assouplir et se remuscler tout en douceur. Complétez les exercices de renforcement musculaire par une activité physique d'intensité modérée, comme la marche, la natation, le jardinage, et comme pour tout, pas d'excès. Toujours en écoutant son corps. Et évidemment, évitez toute activité intense, les sports de contact, de combat, de balle ou à risque de chute. Pensez toujours à vous échauffer et vous hydrater. Prenez soin de vous et de votre corps en respectant vos envies et vos sensations. Ça va, Lola? Tu fais quoi? C'est pour les crampes. C'est juste en attendant la fin des copies. Destination, lieu de travail. Prenez la prochaine rue à droite sur l'avenue des Mimosas.